tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Planet Zoo dans laquelle on va découvrir ensemble le nouveau contenu du pack Océanie. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un point sur tout ce qui est éléments de décor et on passera ensuite aux 5 nouvelles espèces d'animaux. Alors, comme à son habitude, dans un pack contenant des éléments de décor, on a tout un ensemble de toits et de murs. Cette fois-ci, on est donc sur un ensemble de toits de chaume. Donc, on va avoir toute une gamme de toits arrondis, de toits droits, plus ou moins hauts. Donc, on a différentes hauteurs, sachant que tous ces toits-là ne sont pas positionnés sur la grille. Donc, vous allez pouvoir les mettre dans la position que vous souhaitez. On aura aussi un toit complet en dôme. On aura ensuite des petits éléments qui vont servir de décor, notamment pour les poteaux. Donc, on a des jupes en chaume et des jupes en feuilles. On aura aussi donc cette fameuse série de murs placés sur la grille pour une partie et certains éléments qui ne sont pas sur la grille. On retrouve donc les murs habituels, les arches, la devanture pour les boutiques, les toits plats arrondis et carrés. On retrouve aussi les fameux tunnels, le mur avec la petite porte, les murs arrondis. On aura aussi les murs classiques, les murs pour les toits et des petits murs ici qui ne sont pas placés sur la grille. Donc vous allez pouvoir placer dans le sens que vous souhaitez. On a aussi une nouvelle série de poteaux, donc toujours sur le thème polynésien. Vous allez pouvoir recolorer le bois ainsi que la couleur de la peinture. À savoir que pour le toit en chaume, on va pouvoir recolorer le bois à l'intérieur et les cordes qui se trouvent aussi à ce niveau-là. Les murs, quant à eux, pourront aussi être recolorés au niveau de l'ensemble des détails, ce qui est plutôt sympathique. On va avoir aussi des planchers en bois flotté ici. On aura une petite porte décorative, des petites moulures ou des panneaux à placer pour faire un petit peu de décor sur les murs ou ailleurs d'ailleurs. On aura aussi des corniches en chaume, des bouts de toit comme ça. Des petits éléments de décor qui reprennent les petites statues Tiki. Ici, on aura des petits piédestals pour pouvoir placer les statues. Enfin, un brasero que vous allez pouvoir placer sur le tiki ici, par exemple. On va avoir aussi des petites planches décoratives, bien évidemment aussi recolorables. Tout comme les tiki, hein, bien sûr. Vous allez pouvoir recolorer aussi l'ensemble du tiki. Pareil pour les panneaux. Quasiment tout est recolorable dans ce pack. Vous allez avoir aussi une nouvelle clôture en bois. Quelques petits éléments de décor, comme ici les rames pour les bateaux. On va avoir aussi une voile. Vous allez pouvoir placer ici sur la pirogue des petits éléments de décor un peu différents. Donc ici on va avoir un baril, on va avoir des petites bouées décoratives, des colliers de fleurs, des petits poteaux ici. Ici on va avoir le pilier pour la clôture en bois. On va avoir aussi des éléments décoratifs de cordes comme ça que vous allez pouvoir placer autour des poteaux pour certains. Pareil ici, on va avoir une fenêtre qui peut bien sûr être utilisée autrement. On va avoir des filets plats, des filets suspendus, etc. Voilà. Vous allez pouvoir évidemment les recolorer dans le coloris de votre choix. Donc ici, on a la fameuse pirogue. On va avoir aussi des murs en roche comme ça, noirs, mais recolorables. On va voir ici les statues qui vont reprendre donc les 5 nouvelles espèces d'animaux. Enfin 4 pour le coup parce qu'on n'a pas le renard volant. Donc ici on a le diable de Tasmanie, on a le manchon pygmée, le kiwi et le coca. Et on va voir la petite statue de récompense qui reprend donc le kiwi. Les panneaux décoratifs qui là reprennent bien les 5 nouvelles espèces. Donc on aura bien le manchot ici pygmée en 2 exemplaires. On va avoir le coca, le kiwi, le diable de Tasmanie et ici le renard volant. On a ici une pirogue à balancier complète. Donc c'est un modèle entier, donc il sera tout fait comme ça. On va avoir ici une deuxième pirogue un peu plus détaillée. On retrouve aussi un nouveau set de bancs, poubelles, table de pique-nique et auvent dans l'esprit polynésien toujours. Et ce nouveau chemin qui vient compléter ce pack. Avec les barrières plutôt sympathiques, style rocher ensablé, qui est plutôt sympa. On a aussi de la nouvelle végétation,
Donc on va avoir ici des cordylines en trois exemplaires, en trois formats plutôt. On va avoir aussi des fougères argentées en trois exemplaires également. Griffes de sorcière et griffes de sorcière fleurie un peu en quatre exemplaires du coup. On aura aussi des naées en trois formats différents. Et on aura pour finir les palmiers Nikko en trois tailles différentes. On retrouvera également des rochers fausse lave. Donc là, vous allez avoir la fausse lave froide, fausse lave tiède avec un petit peu de lave en fusion. Ici, un mix des deux. Et ici, des rochers en fausse lave complètement en fusion. Voilà donc pour les nouveaux éléments de décor qui viennent avec ce pack Océanie. Pour faire simple aussi, on a donc la nouvelle mise à jour gratuite qui vient compléter ce pack. Donc dans cette mise à jour, on aura les rochers pour le biome océanique. Donc c'est des rochers volcaniques, donc couleur noire, qui ne sont pas recolorables bien évidemment, comme toutes les gammes de rochers que l'on a dans le jeu, sauf les faux rochers. On a aussi une nouveauté, c'est les dômes que vous allez pouvoir placer dans vos enclos, pour que les visiteurs puissent avoir un aperçu au sein même de l'enclos. Donc ce dôme, vous allez pouvoir le placer soit sur terre, soit sous l'eau. Bien évidemment, il faudra mettre le dôme avant de pouvoir mettre l'eau. Donc soyez sûr de l'emplacement de votre dôme, puisque si vous l'enlevez et que vous voulez le replacer, il faudra enlever l'eau, replacer votre dôme et remettre l'eau. Mais parfois l'eau, une fois que vous avez mis votre décor, vos chemins et tout, etc. autour, l'eau est difficile à remettre parfois. Donc moi je vous conseille de bien placer votre dôme sous l'eau avant tout. Et donc pour pouvoir accéder à ce dôme, on aura une entrée de dôme qui se placera au niveau de la clôture. Donc vous allez pouvoir mettre votre dôme et ensuite placer votre clôture autour. Ou alors placer directement votre entrée de dôme au niveau de la clôture. Et il y a aussi une nouveauté dans cette mise à jour qui sera la possibilité pour les orang-outans de pouvoir se balancer sur certains types de structures escaladables. Voilà donc pour cette petite aparté de mise à jour. On passe maintenant aux 5 nouvelles espèces d'animaux. On va commencer dans un premier temps avec... Tiens, bah ils sont ici. On va prendre le manchot pygmée. Alors, que nous dit-on au niveau de la zoopédie de cet animal? Donc, le manchot pygmée. On est sur une préoccupation mineure. Pour ce qui est de son habitat naturel, on est sur le continent donc océanique et on le retrouve dans les régions de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. On est sur un biome aquatique, climat tempéré et prairie. Pour ce qui est de son terrain requis, il faudra au minimum 180 mètres carrés pour un adulte. Il n'aura pas forcément besoin de structure d'escalade. En revanche, il aura besoin d'eau de minimum 60 mètres carrés et de minimum 35 mètres carrés d'eau profonde, pour qu'il puisse nager en profondeur. Au niveau de la température requise de l'habitat, elle devra être comprise entre moins 4 et 38 degrés. Et pour ce qui est de la clôture, elle devra être de niveau 1 supérieur à 1 mètre. Au niveau de la taille du groupe, on pourra aller jusqu'à 500 mâles et 500 femelles, ce qui est plutôt conséquent. Taille du groupe des mâles célibataires hors jeunes, donc entre 6 et 500, et taille du groupe des femelles célibataires entre 6 et 500 également. Il n'y aura aucune domination, leur système de reproduction est basé sur la monogamie. Règle de l'âge adulte, on est donc sur un système grégaire, donc tous les descendants adultes sont tolérés dans le groupe. Relation avec les humains, donc neutre, les visiteurs peuvent-ils rentrer dans l'habitat? Oui. On est sur une maturité sexuelle à 3 ans et une stérilité à 10 ans. Nombre de petits par portée entre 1 et 2 et une période de gestation et d'incubation de 1 mois. Période entre 2 portées 12 mois et la reproduction en captivité plutôt facile. On passe sur les recherches et on va au niveau de l'optimisation interespèce, il n'y en aura pas. Donc le manchot pygmée ne tirera aucun avantage à partager son enclos avec d'autres espèces. Voilà donc pour le manchot pygmée. On va passer ensuite à la deuxième espèce. On a celle-là qui est ici. On a donc le coca. Le coca, au niveau de la zoopédie, que nous dit-on, c'est une espèce vulnérable. Donc c'est une petite espèce de wallaby. Au niveau de son habitat naturel, on est sur le continent océanique évidemment. Et on le retrouve uniquement dans les régions de l'Australie. Sur le biome, on est sur la prairie. Pour ce qui est de son terrain requis, ce sera 200 mètres carrés minimum pour un adulte. Il n'aura ni besoin de structure d'escalade, ni d'eau, ni de profondeur d'eau,
non plus. Pour ce qui est de la température requise de l'habitat, elle devrait être comprise entre 10 et 38 degrés. Pour ce qui est de la délimitation de l'enclos, donc ce sera une clôture de niveau 1 supérieure à 1,25 m ou alors un cours d'eau supérieur à 3 mètres de large et supérieur à 1 mètre de profondeur. Au niveau de la taille du groupe, donc on va pouvoir mettre jusqu'à 23 mâles et 23 femelles. Taille des groupes de mâles célibataires 1 à 24, taille des groupes de femelles célibataires 1 à 24 également. Domination, donc les mâles plus gros seront dominants. Le système de reproduction est donc basé sur la promiscuité sexuelle. Règle de l'âge adulte grégaire également, donc tous les descendants adultes seront tolérés dans le groupe. Relation avec les humains confiants et les visiteurs peuvent-ils entrer dans l'habitat? Oui également. Au niveau de la maturité sexuelle, on est sur 1 an. L'animal ne sera jamais stérile. Nombre de petits par portée, 1 seul. Période de gestation et d'incubation, 7 mois. Période entre 2 portées, 5 mois. Et une reproduction en captivité, plutôt facile également. On passe aussi sur les recherches. Et donc là, on va pouvoir mixer le coca avec l'émeu dans un même enclos. Voilà donc pour le coca. On passe ensuite à la troisième espèce, si je la trouve. On va partir sur... ici, on a donc le kiwi de Mantel. Donc, la zoopédie, que nous dit-on? Le kiwi de Mantel est une espèce vulnérable, population dans la nature entre 10 et 20 000. Pour ce qui est de son habitat naturel, également le continent océanique, et on le retrouve dans la région de la Nouvelle-Zélande uniquement. On est sur un biome de climat tempéré. Pour ce qui est de son terrain requis, il faudra au minimum 180 mètres carrés pour un adulte. Pas forcément besoin de structure d'escalade, ni d'eau, ni de profondeur d'eau. Et la température devrait être comprise entre moins 4 et 35 degrés. Pour ce qui est de la clôture, elle devrait être supérieure à 1 mètre et de niveau 1. La taille du groupe, donc, on pourra mettre maxi un mâle et une femelle dans l'enclos, pas plus. Taille du groupe des mâles célibataires entre 1 et 2. Et taille du groupe des femelles célibataires, une seule, maxi. Au niveau de la domination, donc, les femelles dominent les mâles au sein des couples. On a un système de reproduction basé sur la monogamie. Pour ce qui est des règles de l'âge adulte, on est sur un système grégaire également ici. Donc tous les descendants adultes seront tolérés dans le groupe. On est sur de la confiance au niveau de la relation avec les humains. Et les visiteurs pourront également rentrer dans leurs enclos. Au niveau de la maturité sexuelle, on est sur 2 ans avec une stérilisation inconnue. Nombre de petits par portée entre 1 et 2. Période de gestation et d'incubation 3 mois et période entre 2 portées 1 mois, donc ce qui est plutôt rapide. Reproduction en captivité difficile. Et donc le kiwi de Mantel ne tirera aucun avantage à partager son enclos avec d'autres espèces. Voilà donc pour le kiwi de Mantel. On va passer à la dernière espèce que l'on trouve dans les enclos, à savoir, si je le trouve, le petit diable de Tasmanie. Alors, au niveau de la zoopédie... donc le diable de Tasmanie est une espèce en danger. Population de la nature entre 10 et 25 000, donc c'est une estimation. Pour ce qui est de son habitat naturel, on est donc sur le continent océanique toujours, puisqu'on est sur un pack Océanie, et on le retrouve dans les régions de la Tasmanie. On est sur un biome de climat tempéré, et le terrain requis sera de minimum 200 mètres carrés pour un adulte. Il n'aura pas besoin de structure d'escalade, ni d'eau, ni de profondeur, etc. La température devra être comprise entre moins 4 et 31 degrés, et la clôture devra être de niveau 2 supérieur à 3 mètres. Au niveau de la taille du groupe, donc ce sera jusqu'à 4 mâles et 4 femelles. Taille du groupe de mâles célibataires entre 1 et 5. Taille du groupe de femelles célibataires entre 1 et 5 également. Pour ce qui est de la domination, la domination sera établie via des combats et des démonstrations. Donc à mon avis, ce sera la loi du plus fort. Au niveau du système de reproduction, on est sur la promiscuité sexuelle. Règle de l'âge adulte, ils sont donc solitaires. Tous les descendants adultes deviennent des intrus. Donc une fois adultes, il faudra les mettre dans notre enclos ou les relâcher dans la nature ou les vendre, enfin, etc. Enfin, quoi qu'il en soit, il faudra les extraire des enclos. Relation avec les humains confiants, cependant les visiteurs ne pourront pas rentrer dans l'habitat. Pour ce qui est de la maturité sexuelle, on est sur 3 ans avec une stérilité qui n'arrive jamais. Nombre de petits par portée entre 1 et 4, période de gestation et d'incubation 5 mois et période entre 2 portées 12 mois. Reproduction en captivité difficile également. Pour ce qui est donc de l'optimisation interespèce, il n'y en aura aucune puisque on ne pourra pas
mixer le diable de Tasmanie avec d'autres espèces. Voilà donc pour les 4 espèces que l'on trouve dans les enclos. On va passer maintenant à la dernière espèce qui est donc une espèce de vivarium visitable. Et on est ici sur le renard volant à lunettes. Alors, que nous dit-on sur la zoopédie de cet animal? C'est une espèce en danger, population dans la nature, on est à 44 000 environ en Australie, inconnue dans les autres régions. Au niveau de l'habitat naturel, on est donc sur le continent océanique évidemment, donc on le retrouve bien dans les régions de l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. Avec un dôme tropical, donc le vivarium devrait avoir une température comprise entre 21 et 32 degrés. Pour ce qui est de la taille du groupe, on pourra en mettre jusqu'à 35 dans le vivarium et 5 minimum. Au niveau de la domination, donc les mâles dominants ont accès à de meilleurs perchoirs et à davantage de femelles. D'accord, ok. Au niveau du système de reproduction, on est sur de la polygamie. Pour ce qui est de la maturité sexuelle, elle est à 3 ans avec une stérilité à 11 ans. Nombre de petits par portée, un seul. Période de gestation et d'incubation, on est sur 4 mois et période entre 2 portées, 8 mois. Reproduction en captivité moyenne. Pour ce qui est des recherches, bon, là je pense que j'ai un petit bug du jeu puisque je peux pas mettre toutes les optimisations au sein du vivarium. On me demande de faire les recherches sauf que je suis en mode bac à sable, donc les recherches sont censées être déjà présentes. Donc voilà, je peux pas vous les montrer forcément, je peux pas les rajouter aussi au vivarium, mais on aura du décor qui va se rajouter dedans. Et l'optimisation interespèce, donc on va pas pouvoir mixer le renard volant à lunettes avec la chauve-souris par exemple ou les papillons. Voilà donc pour ces 5 nouvelles espèces. Donc là on peut voir ce qui peut être créé avec tous les nouveaux éléments de décor du style polynésien. Donc c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le style. Voilà en tout cas pour ce nouveau pack Océanie. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce pack dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas aussi à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous retrouverai pour de prochaines vidéos. Allez, salut!